Donc, Gilles Plouffe, c'est un joueur de hockey qui joue 3 à 4 fois par semaine dans la région de Sherbrooke et Stanstead. Il a 80 ans aujourd'hui, puis il y a très peu de personnes qui peuvent dire ça. La Ligue de hockey des Tropiques de Sherbrooke a célébré lundi le 80e anniversaire de son joueur aîné. Gilles Plouffe a joué au niveau semi-professionnel aux États-Unis dans les années 60. Il continue de pratiquer son sport préféré, maintenant au sein de la nouvelle ligue amicale ouverte aux 40 ans et plus. C'est ça que j'ai pas mal tout en fait, le hockey. Je joue à Rock Island aussi, à l'aréna de Padre, 2 fois par semaine. Puis ici, ben là, on joue 2 fois par semaine aussi. Ça fait... Il va toujours surveiller l'arrière, il couvre tout le temps ses gars. Il est vraiment bon pour ça. Il fait vraiment attention pour se faire pas vu. Ça fait peut-être 6 ou 7 ans que je joue avec M. Plouffe. Je joue à défense avec M. Plouffe. Là, une couple d'années, M. Plouffe a commencé une bataille avec un gars. C'était assez comique d'avoir un monsieur qui avait 75 ans avec un autre monsieur qui a peut-être une 60aine d'années. Il est 10 fois plus en forme que nous autres. Moi, il y a des fois que je me choque après lui parce qu'il débarque pas. Il reste à la glace. Il resterait à la glace 10 minutes, lui, s'il voudrait. C'est nous autres qui disaient, hey, M. Plouffe, il faut débarquer. Là. Avec l'âge, ça vous a pas tenté de devenir un peu plus prudent? Ben, non, pas tellement. Pas moi. C'est pas mon style, tellement. Je suis pas un dur, mais tu sais, je suis agressif un peu. Oui. Je suis pas capable de l'arrêter. Il aime trop ça, hein. Lui, c'est sa vie. J'ai dit, comment tu fais? Allez-vous au hockey après une journée de rage? Tu vas être fatigué. Je dis, oui, mais ça change le mal de place. C'est pas fatigant pour lui de jouer au hockey.